Salut les mobeurs, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, la suite des 6 heures du lac de Vénérieux. Donc je vous laisse apprécier le carnage. Donc là on est dans la ligne des stands, enfin au bout de la ligne des stands, juste avant le petit saut où, dans la précédente vidéo, j'étais en face là-bas au niveau des arbres. Notre stand à nous est situé tout au bout de cette ligne droite là, donc derrière moi actuellement. C'était le dernier. Et nous, pour le coup, on n'est pas arrivé dernier. On a fait seulement 3 tours en 3 heures. On a quand même fait 122e sur 126 partants. On est bien. Voilà, en compagnie de mes deux copilotes qui sont piétons avec moi. Alors, on visite. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Ça m'a quand même quand même. Hein. Oh là là, l'avion. Comme tu peux le voir sur les stands, c'est du sans alcool. Il y a des bouteilles de Ricard, des bouteilles de Malibu de partout. À ton pote de 9, il est toujours en haut. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Autobec. Ça arrive fort. Ah, la tête, ça tourne toujours. Oh, la SPX, elle en peut plus, la RC. Et lui, c'est un dingue. Les cannes, elles se décomposent. Là, il y a du sang. Watton ! Changement de pilote. Le dossard. Et en fait c'est le dossard qui sert de relais, c'est pour ça à chaque pilote, à chaque changement de pilote, il faut perdre du temps, enlever le casque, faire passer le dossard, remettre le casque et y aller. Voilà, donc en fait le circuit fait le tour de l'étang. Elle
cadré. Donc là, on est revenu à la hauteur de notre stand. Voilà, notre stand était derrière nous. Il a perdu la roue, carrément. Il a perdu la roue arrière. Ah, il n'y a rien. Voilà, alors vous pouvez constater que la sortie des stands croise en fait la trajectoire des sauteurs. Donc des fois c'est cocasse. Ouais, il doit être au bout de sa vie là, on ne peut pas ramener la brèle sur la roue. Voilà, donc en haut à droite de l'écran, vous avez pu constater, il y en a un qui est arrêté dans le virage là-bas depuis un petit moment. En fait, il a tout simplement perdu sa roue arrière dans les pins ou dans le sable, dans une ornière. Mort de rire. Voir des bécanes comme ça. Non, même s'ils n'ont pas les vitesses, au moins. Ah, puis ils gardent la forme. Parce que c'est physique. Hein. Après, j'aurais pas. Oh putain, il se rentre dedans. Il a perdu la roue. Lui. Hein? Non, il est arrivé dans le virage, paf, la brèle couchée, la roue arrière sautée. Il a marqué le gars avec qui je parlais? Non. Il va chez Dave. Ah ouais? Ouais, il a une TX qui tourne là. Ah ouais? Ouais, il y en a une sur les deux, les séries. Non, il n'en avait pas une pour nous. Bah non, une sur les deux, les séries. Ah, la TX, bah là, toujours. Ouais, elle est là, elle vient de passer, la TX. Tu vas remonter un moteur à air, hein. Voilà, il y a que ces ornières pour passer, gros chaud. Hein. Elles sont bananas quand même, celles-là. Ils ont pas confiance. Hein. Ouais. Oula. Non, mais la taquine est là. Le blanc rouge, la brêle de la caravane qui est sur le sol.
j'hallucine la Santiago. Il y a pas mal qui rentre au stand là. Hein. Ah, lui il fait délirer là-bas avec sa fleurie. Il s'est fait mettre au moins 3-4 tours. Elle a mouru. C'est le petit esprit aussi, elle va bien. Oulala. Le plus dangereux de tous. Ah mais là il tape le pot à chaque fois. Ça va bien apparemment. Ouh, ça a tapé là. Il est reparti l'autre avec sa roue. Je vous laisse apprécier la fin de cette vidéo. Je vous mets en information en haut à droite la vidéo précédente. Et il restera encore une voire deux vidéos, mais beaucoup plus courtes, je pense, qui vont arriver. Voilà, allez, bonne fin de vidéo à tous. Et pensez à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, s'il vous plaît. Merci bien.